Bienvenue, bienvenue à tous et à toutes dans ce partage que je fais aujourd'hui concernant les points sur les prophéties actuelles. Alors, je vais faire un point très bref au sujet de Israël et de Gaza. C'est le point, je dirais, le plus culminant actuellement dont on mentionne dans les médias un peu partout. Donc, nous ne sommes pas surpris des événements, malheureusement, parce que la prophétie dans l'écriture de la Bible l'annonce. Mais aussi, on a une deuxième prophétie qui est très intéressante, c'est celle de l'Euphrate. On sait que dans le livre d'Apocalypse, évidemment, l'Euphrate doit être asséché. Alors, pour vous situer à peu près sur la carte ici, nous avons... le Liban, la Syrie et l'Euphrate qui est évidemment situé en Irak. Ici, il y a un point prophétique très important. Le point prophétique très important dont je vais parler est maintenant sur le point, bientôt, je dis bien bientôt, d'arriver. Parce que l'Euphrate menace vraiment d'être à sec. La sécheresse guette l'Euphrate, les pêcheurs sont dans le tourment. Là, c'est une dépêche qui a eu le 28 juillet. Donc depuis, il y a de l'eau qui a coulé sous le pont, évidemment. Mais on a l'Euphrate dans Apocalypse 16-12. C'est l'un des signes majeurs. Le sixième vers sa coupe est le grand fleuve, l'Euphrate, et son eau tarie afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. Et je vis sortir de la bouche du dragon, de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète. Trois esprits impurs, semblables à des grenouilles, car ce sont des esprits, des démons, qui font des prodiges et qui vont vers les rois de la terre afin de les rassembler pour le combat. Donc, il faut qu'il y ait un combat, évidemment. Et nous voyons que, évidemment, il y a l'Euphrate qui doit être à sec. Donc, pour l'instant, c'est quelque chose qui est en train de voir le jour. Alors, on va regarder la vidéo. Ismaïl Hilal a conservé sa barque, mais il a rendu sa casquette de pêcheur. Sa principale source de revenus, le lac Assad, le plus grand lac artificiel de Syrie, est en train de mourir. Ses rives ont reculé de 4 mètres en l'espace d'un an. Imaginez-vous un petit peu. J'ai passé toute ma vie sur le lac. Depuis 1986, je vis dessus. Depuis mon enfance, depuis l'âge de 12 ans. Mais j'ai été forcé de le quitter cette année. Je ne pouvais plus vivre de la pêche. Voilà. Donc on a, cette prophétie qui est en train de s'accomplir. Elle n'est pas encore terminée, mais ça va malheureusement arriver. Et à ce moment-là, il va se passer quelque chose. Il va voir donc les rois de la terre qui vont rentrer en action. Donc les démons vont venir pour préparer au combat les rois de la terre. Et évidemment, on a le dragon qui symbolise Satan, la bête, évidemment, qui est le nouvel ordre mondial, et la bouche du faux prophète, évidemment, celui qui va séduire les peuples. Donc nous avons cette prophétie qui va aussi s'accomplir. Et pour revenir justement maintenant à cette fameuse guerre, ce combat qui a lieu actuellement entre Gaza et Israël, ce n'est qu'un échauffement, mes amis. Je sais que c'est difficile à entendre, je sais que ça paraît malheureusement compliqué et qu'on ne veut pas la guerre. Évidemment, on ne la veut pas la guerre, hein. C'est quelque chose de terrible, il y a des morts. Évidemment, on ne veut pas qu'il y ait des morts, on ne veut pas la destruction. Mais malheureusement, l'homme est ainsi. Et il faut qu'il y ait malheureusement des guerres. Et nous voyons ici, alors nous avons évidemment Gaza d'un côté, qui est ici sur la carte, et nous avons Ascalon juste à côté. Entre les deux, il y a un espace évidemment. Mais voyez bien, Ascalon, un peu plus haut, nous avons Ashdod et
Tel Aviv encore un peu plus haut. Mais ici en bas, nous allons rester ici. Parce que Gaza est ici, la bande de Gaza est ici. Et nous avons juste en haut Ascalon. Donc Ascalon, dont mentionne le livre de Sophonie. Alors je vais vous lire parce que on a évidemment Gaza et Ascalon. Alors le livre de Sophonie, ça c'est encore prophétique évidemment. Donc Sophonie chapitre 2 verset 4 nous dit ceci. Écoutons attentivement. Car Gaza sera délaissée, Ascalon sera réduite en désert. Nous savons tous que aujourd'hui Ascalon est habité. Il y a des chaînes d'hôtels évidemment. Nous le voyons en image. Il y a vraiment des chaînes d'hôtels à Ascalon. C'est habité. La chose doit, je le dis malheureusement, arriver. Eh ouais. Donc il y a toute une chaîne touristique actuellement à Ascalon. Mais nous lisons dans la prophétie que quand ça va arriver, malheureusement, elle va être déserte. Asdod sera chassé en plein midi. Ekron sera déraciné. Malheur aux habitants des côtés de la mer à la nation des Kérétiens. Donc on voit ici qu'il va se passer quelque chose encore de plus dramatique ensuite. Ça va être lancé dans un conflit. Enfin, il va se passer des choses vraiment terribles. Et on a Gaza juste à côté, évidemment. Gaza qui est juste à côté. Alors, nous disons que car Gaza sera délaissé. Bon, apparemment, Gaza va être délaissé. Et on lit que dans le livre de Zacharie, chapitre 9, le verset 5, un point prophétique important. Ascalon le verra. Ascalon le verra. Et elle sera dans la crainte. Parce que, on va voir que Gaza va être battu. Gaza aussi, et un violent tremblement la saisira. Un violent tremblement la saisira. Qu'est-ce que cela signifie donc ? Des bombes, bombardements, c'est déjà le cas. Ekron aussi, car son espoir sera confondu. Le roi disparaîtra de Gaza. Et Ascalon ne sera plus habité. Waouh ! Ça s'annonce vraiment chaud. La prophétie s'annonce vraiment chaud. Je ne sais pas pour vous, mais ça s'annonce vraiment chaud. Et j'aimerais pas être dans ces milieux-là actuellement. Mais il faut tout d'abord que la prophétie de Apocalypse 16-12 s'accomplisse. Évidemment, je pense, pour qu'il y ait une guerre, un combat, pour que les rois, avec un S évidemment, de la terre, se rassemblent pour le combat. Parce que là, il va y avoir une guerre mondiale. Et on lit dans la Bible, évidemment, que, eh bien, il faut qu'il y ait un nouvel ordre, un dernier empire dans le livre de Daniel. Le livre de Daniel annonce qu'il y aura un empire, un dernier qui va fouler et briser la terre. Évidemment, où il y aura l'homme impie, celui qu'on appelle l'Antichrist, qui va régner sur les rois de la terre. Il y aura plusieurs rois. Donc, je ne vais pas réciter à nouveau la prophétie. Je ferai une autre vidéo là-dessus. Mais voilà, pour vous faire le point sur Sophonie 2.4 et Zacharie 9.5, ce qui va se produire prochainement n'est pas très beau. Alors, est-ce que ça va se produire bientôt? Je ne sais pas. En tout cas, je sonne la sonnette d'alarme comme toujours. La trompette, voilà, je la sonne pour dire voilà, sans doute une prophétie qui est sur le point de s'accomplir. Peut-être. En tout cas, on ne désire pas le malheur, évidemment, aux habitants de Gaza et d'Ascalon, forcément. Mais ça s'annonce très très mal. Et on voit que Gaza est voisin d'Ascalon. Donc, oui, c'est pour cela, évidemment, parce qu'il y a en ce moment un conflit armé. Et ça ne sent vraiment pas bon. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, c'était le point prophétique et la suite nous le dira, la suite de l'histoire. À bientôt.